Bon, salut tout le monde. Ben, j'ai fini ma coupure là. Je vais redémarrer. Donc, il me reste 1260 km là, pour entrer jusqu'à Joliette. Donc, c'est reparti. J'ai encore la douane à Détroit à passer. Et puis, Toronto, tout ça. Quoi. On verra bien comment ça va passer. Donc, bah ben, voilà, hein, toujours au même endroit. Lui était avant moi là-bas et il est encore là. Là. Il fait des rues de coupure. Voilà, parking était là, mais j'ai pas pu trouver de place là-dessus, donc je me suis arrêté là. Donc bah c'est reparti. À tout à l'heure. Bon ben voilà, j'ai passé la frontière canadienne.
Donc là, là je m'en vais faire un échange de remorque là, parce que je suis chargé pour Montréal. Et puis nous on a des parkings un peu, on en a un à Camber là, pas loin de la frontière ici là. Après on en a un à Mississauga là, sur Toronto, on en a un à Dorval à l'ouest de Montréal et un à Morneau à l'est de Montréal. Et bah là moi ma remorque elle est chargée pour Montréal. Donc normalement j'aurais dû aller la décrocher chez le client. Puis après aller à Morneau chercher une remorque vide pour la ramener à Joliette là. Et puis là du coup mon patron il a trouvé une solution là, à Camber là, je vais récupérer directement une remorque là pour retourner à Joliette. Ça m'évite d'aller chez le client, après d'aller à un autre entrepôt. Je vais tout faire au même endroit, puis ça va me faire gagner du temps. Voilà, donc c'est parti. À tout à l'heure. Bon ben voilà, je suis arrivé à Camber, là j'ai décroché ma remorque. Donc elle est là. C'est celle-ci. Puis moi j'ai raccroché l'autre remorque. Puis je me retourne à Joliette. Alors ici à Camber, là c'est un grand parking, hein. Il n'y a pas que nous. Hein. Et alors c'est divisé en deux parties. Là cette partie ici, c'est tous les remorques qui repartent sur. Qui repart sur le Québec. Puis là, à côté, là, où il y a mon collègue là, qui est en train d'en raccrocher une, ça, ces remorques-là, c'est pour repartir aux États-Unis, quoi. Voilà. Donc, les remorques pour le Québec, on les décroche ici. Parce que quand les trains routiers viennent, ils ont vraiment toute la place devant là, pour former leur train routier, quoi. Donc, on les met là. Parce que quand ils arrivent avec le train routier, ils rentrent ici. Ils font tout le tour, ils vont derrière toutes ces remorques là, ils vont décrocher les deux remorques, puis après ils viennent les mettre en place là où lui est en train de raccrocher sa remorque là. Ils les mettent en place là, et après ils viennent ici former leur train routier pour repartir à Montréal. Voilà. En fait ils font que ça, hein. Ils font des lignes, ils n'ont pas le droit d'aller livrer, rien du tout quoi, ils font que des lignes. Donc moi j'ai fini, j'ai raccroché, j'ai fait ma ronde de sécurité. Puis je vais redémarrer, là, je vais aller au truck stop un peu plus loin, au Flangey, là, je vais aller faire du def. Enfin le def c'est la Deep Blue en fait.
Coucou. Bon ben voilà, je suis arrêté pour la nuit là, je suis à 2h15 de chez moi là. Donc ben il y a quand même un petit peu de neige là, je vais vous montrer ça. Mais bon, ça roule quand même, hein, on n'a pas de problème là. Bon là forcément c'est vendredi, donc le parking est vide. Il y a quelques camions garés par-ci par-là. Bon, moi je suis garé ici. Voilà. Donc je vais repartir demain matin vers 7h15. Enfin disons qu'à 7h15 je vais démarrer ma ronde de sécurité. Donc je risque de retrouver ma voiture sous la neige. Il va falloir que je déneige ça. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est l'hiver. Hein. Bon là c'est un grand parking en plus ici là. Donc il y a de la place pour se garer. Bon là il y a un porte-voiture là, à mon avis, lui s'est pas rendu compte de la longueur de son véhicule là, parce que on voit là, il n'y a pas d'espace entre les deux pour passer là. Enfin. Oh bah il y avait une place, j'aurais pu me mettre là aussi. Voilà. Bon bah j'ai plus qu'à aller dormir. Enfin je vais déjà manger un morceau puis je vais aller dormir. Voilà, ma roue manque vite derrière. Allez, je vais retourner au chaud. Bon, il fait pas si froid que ça, hein. Il fait que moins 1. Donc dans l'ensemble, ça va. Allez, je vais retourner au chaud, puis manger, puis au dodo. Puis on verra ça demain matin. J'espère qu'il n'y a pas neigé cette nuit. Qu'il me laisse rentrer chez moi. Ah. Ah. Voilà. Allez, à demain, salut. Coucou les amis. Bon voilà, c'est dernier matin dans le camion là. Après ça va être un repos. Là on est samedi. Je devrais rentrer vers 10h. Donc je vais repartir mardi matin. Ça me fera dimanche et lundi complet chez moi quoi. En plus, lundi soir je vais au salon de l'auto là, avec mon fils. Peut-être que je mettrai quelques petites photos, tiens, si ça intéresse des gens. Oula. Donc bah, je suis toujours sur le même parking où je me suis arrêté hier soir. Là, j'ai fini ma ronde de sécurité. Donc, bon, le parking il s'est vidé là. Il y en a qui sont partis. Ah, ça va être mon tour. Voilà, il y a un porte-voiture là. Ça m'impressionne toujours la voiture à l'avant là, c'est incroyable. Bon moi je suis là. Voilà. Là c'est un grand parking, ben, on est samedi, hein, donc il n'y a personne dessus. Là. Il y en a encore quelques-uns. Bon hier il neigeait, mais c'était pas pire là, ça va quand même. Oh bon, moi je vais retourner au chaud et puis ben, je vais démarrer tranquillement pour rentrer à la maison. Oh bon allez, à tout à l'heure là pour la fin du trajet. Là. Hier il neigeait beaucoup à Joliette, là, ma femme m'a dit. Là. Alors, j'espère que ma voiture ne va pas être enterrée sous la neige. Sinon j'ai tout ce qu'il faut. Hein. En fait je prévois quand je pars là. Là j'ai une petite pelle, puis j'ai un truc pour gratter mes carreaux là. Alors souvent la pelle là, c'est pour me faire un petit chemin là, pour aller jusqu'à ma voiture pour la mettre en route. Comme ça après bah, je la fais tourner un petit peu, pour ça là je la déneige et puis bah, je vide mon camion en même temps. Quoi. Voilà, bon bah à tout à l'heure alors.
Bon voilà, fin du trajet. Donc là bah je suis arrivé là, ma voiture elle est là, bon ça va, il y a de la neige mais c'est pas si pire que ça quoi. Donc là je l'ai mis en route. Alors ça là je vais finir ce que j'ai à faire dans le camion, ça va chauffer un peu. Puis après bah, je vais enlever, là j'ai acheté là comme un. C'est un truc que je mets sur le pare-brise et sur le rétroviseur. Sur les rétroviseurs, là, c'est une bâche. Comme ça, je mets, j'ai pas de neige sur. Puis il y en a sur les rétroviseurs, parce que moi, j'ai pas les rétro-chauffants là-dessus. Donc, voilà. Après, je vais enlever tout ça. Bah, moi, je suis là. Ça, après, ben, j'enlève la voiture. Et puis, je mets mon camion à la place. Puis après, ben, je vais le brancher là-bas sur le fil électrique. Là. Bon, ben, avec l'appel, il va falloir que je me fasse un chemin pour aller jusque là-bas. J'ai branché là et puis ben j'ai déjà expliqué là, ce fil électrique là ça sert à garder les batteries en charge et tout ça quoi pendant le week-end, comme ça il y a le frigo, il y a tout ça dedans qui tourne. Donc voilà, je vais retourner dans le camion, ranger le restant de mes affaires, j'ai pas rangé. Après ben comme je viens de décrocher une remorque chargée là, j'ai un document, un papier de livraison envoyé à TJB là. Donc quoi, la remorque elle a été livrée. Et puis je m'en vais à la maison. Allez, bye bye les amis, à une prochaine vidéo. Ciao.